accompagner les acteurs, de les formaliser et de faire en sorte qu'ils rencontrent, on va dire, leurs fans et leurs followers qui magnifient leur travail. Donc cette édition a aussi pour ambition de développer de nombreuses activités à côté. Donc nous avions pour habitude d'organiser des événements à côté avant l'organisation finale qui a lieu le jour de la cérémonie, le 12 octobre, au cinéma Massif Plaza. Donc il y a quatre grandes activités que nous avons prévues cette année. Donc la première activité, c'est cette conférence de presse qui marque en tout cas le démarrage de l'organisation. La deuxième activité, c'est ce qu'on appelle le match de la solidarité cette année. Donc l'objectif, c'est de s'inscrire toujours dans la dynamique d'aller rencontrer les populations, que les créateurs de contenu rencontrent leurs fans et followers. Donc ce match aura lieu, Inch'Allah, le 6 septembre de cette année. Nous avons aussi pour ambition de discuter de leurs problématiques au sein de nos locaux. Et la quatrième et dernière activité, ce sera l'événement en lui-même. Et entre-temps, il y aura une phase de vote. Donc les votes démarrent le début septembre. L'objectif, c'est vraiment de montrer qui sont les meilleurs créateurs de contenu. Donc ce travail est possible que grâce à l'implication des créateurs de contenu eux-mêmes, influenceurs et créateurs de contenu. Et l'objectif, c'est de faire en sorte qu'ils soient acceptés au sein de cette communauté qui est le Sénégal. Donc, la plupart du temps, j'ai des pierres sur ce travail-là, en le méconnaissant, en ne sachant pas exactement quel est leur but, mais nous avons pour ambition de faire en sorte que tout le monde accepte ce métier, parce que c'est une belle activité qui est pratiquée par de nombreux Sénégalais et qui a beaucoup d'avantages. Donc, ce sont des jeunes qui sont indépendants, qui sont présents sur les réseaux sociaux et ont des messages à faire passer, des communautés avec lesquelles ils interagissent, qui sont parfois des acteurs économiques. Et nous sommes accompagnés aussi par un jury qui a pour ambition de formaliser les Best Influence Awards en leur donnant en tout cas ce cachet-là. Donc c'est ce membre du jury qui qui est représenté aujourd'hui par M. Gay pourra partager en tout cas ses impressions par rapport à l'organisation qui nous accompagne depuis 4 ans. Sacré Fitness, Web Comedy. Médias, business entrepreneuriat, cuisine, sport, créativité, révélation, impact positif et innovation. Donc, pour les deux catégories de partenariat. Il faut rappeler aussi que tous les influenceurs, en tout cas, qui suivent tous les critères que nous avons définis donc, pour participer à cet événement. Donc, ils sont à la table, ils sont dans la source, ils sont pour bien participer. Donc, à cet événement. Donc, on a eu plusieurs aujourd'hui qui étaient à travers les régions et qui ont participé à cet événement. Donc, dès que nous avons l'accord de l'influenceur ou du créateur de contenu, et comme il est sélectionné pour le jury, donc on peut participer à cet événement.